Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une petite vidéo rapide dans la serre, histoire de faire une petite mise au point sur les semis. Alors, bon, bah pour les épinards, tout se passe très bien, hormis que je me suis fait avoir, j'en ai mis trop, hein, du coup je ne sais pas ce que je vais faire de tout ça. Hein, première année, on apprend, donc voilà. Les autres à côté que j'avais repiqués se portent très bien. Commence déjà à faire des nouvelles feuilles à l'intérieur. Je suis plutôt satisfait des épinards, moi, qu'on n'a jamais fait. À côté, la laitue apia que j'avais semée le 28 janvier, puis rempotée avec mes filles le 16 février. Tout se passe bien, ça grandit bien. Fait que je rajoute un petit peu de terreau parce que ça commençait à force de se tasser à descendre. À côté, pareil, les dorés de printemps semés à la même date, au 28 janvier, rempotés pareil le 16 février. Donc c'est pareil, ça grandit bien. À côté, donc j'ai mes pommes de terre Charlène qui sont en pleine germinaison. Ça commence tout juste. Tac, si ça veut bien, faire la mise au point. Ça veut pas. Si ça veut, ça veut pas. Ça veut pas. Mais bon, il y a le temps, encore un bon mois. Ici la binge. Pareil, germinaison. À côté, mes petites fèves que j'ai semées le 3 février. Bon, il y en a qui sortent et il y en a qui veulent pas. Et il y en a qui sont plutôt bien formées. Ici, mes premières semées de tomates. J'ai fait il y a une dizaine de jours. J'attends toujours que ça sorte. J'espère que ça va marcher. Normalement, c'est des précoces, donc... D'après mes recherches, il faut 2 mois entre le moment où je les sème et le moment où je les récolte. Pour l'instant, ça fait 10 jours, il n'y a rien. À côté, un petit pommier que j'avais fait germer, que j'ai mis en terre, il commence à sortir. Voilà. Hop. Donc, mise au point, c'est pas trop ça hein, aujourd'hui. Hein. On va le laisser tranquille. Alors ce matin, petit travail. Rempotage de la deuxième tournée de doré de printemps. En haut, donc. C'est pareil, 100% de germinaison. Pour l'instant, aucun échec. Toutes les graines que j'ai semées, elles ont toutes prises. À côté, c'est pareil. La laitue apia. Donc là, je pense avoir une bonne réserve. Je pense que si les limaces et mon bouffe, j'en aurai d'autres pour les remplacer. Et tout en bas, nos radis de 18 jours que j'ai semé le 18, le 28 janvier. Ils ont levé, il me semble que c'était autour du 9 février. Donc si je compte, ça fait à peu près 18 jours. Donc ouais, pas près de les manger. Mais bon, on va être patient. Sûrement dû à la météo. Peut-être encore un petit peu trop tôt, manque de chaleur, je sais pas. Première fois que j'essaye, donc... Si vous savez, voilà une camba d'autres fèves, pareil, c'est le 3 février. Côté, je me suis fait une petite réserve de cendres.
quand je ferai mes semis de tomates ou les pommes de terre, quand je les mettrai en terre à côté dans mes mini serres qui sont dans la serre. J'ai mon bananier que j'ai accidentellement coupé la tête, mais bon, il repart, donc ça va. À côté, deuxième essai de patates douces, sachant que les premières ça avait pas fonctionné, du coup je réessaye, on verra bien si ça marche ce coup-ci. La dernière fois j'avais coupé un tout petit morceau, là j'y vais en demi, peut-être que j'aurai plus de chance. En bas c'est des fleurs que j'ai trouvé, des graines à la maison, je me suis dit je vais les semer, on verra bien ce que ça donne. À côté, ma patate douce que j'ai mis dans l'eau le 24 janvier, pas de germes, rien, juste des racines et encore elle noircisse, donc je sais pas ce que ça va donner, je laisse, on verra bien. J'ai mon muguet que j'avais mis en pot qui commence déjà à sortir. Là j'ai mes petits pommiers qui sont en train de germer, mais voilà, il y en a un autre que je vais pouvoir bientôt replanter. Et en bas, j'ai mes poireaux perpétuels, c'est pareil, à force que je me décide à les mettre en terre. Voilà. Et voilà pour le petit tour des semis. Donc tout se passe très bien au niveau des semis. Voilà, donc je vous dis à bientôt.